hörde der Maschen, der hat draußen. Schön, meine Stimme. Mein Tiefenstation. Kreminim. Das ist vor mein Ranchon. Mein Gerät, stabil, auf quelque chose. Excessivement difficile à faire. Que je sais même pas si je vais être capable de faire. Mais j'ai pas le choix. Puis, je vais avoir de l'aide parce que. La crise des éternités nous fait souffrir selon notre capacité. Ça peut être très intense, au-delà de nos capacités, mais pour un certain temps, après ça, ça baisse. On a des moments de repos, des moments. Donc, la souffrance est variable. Mais on absorbe des grandes quantités difficiles, et après, on a des surprises de ce qu'on a vécu. Mais la souffrance, quand on souffre une crucifixion, on rentre dans ce qui est de plus sacré dans l'amour du Christ des éternités. C'est-à-dire que lui, il souffre par amour pour donner la vie, la vérité, le respect, la joie, le bonheur éternel, et les gens dans la souffrance de la transformation de la vie d'une forme à une autre. Parce qu'il les a, tu sais. Et le maintien d'équilibre dans tout ça. Pour porter l'injustice, l'isolation de ceux qui ne sont pas contrôlables dans des dimensions isolées. Ils ne peuvent pas en sortir, c'est comme des prisons isolées. Mais ils ne savent pas. Mais ils peuvent vivre des purifications très longues. Donc pour lui, toutes les formes d'énergie sont utilisables. Même dans la conception géochrétienne, ce qu'on appelle le bien et le mal. Dans l'éternité, il y a beaucoup d'autres concepts en dehors de ça. Ça, c'est un concept dualité qui vient de la conception première, l'interprétation des actions pour créer et détruire, qui est de la dualité de celui qui a créé votre création. Les Sylvains, les Pléiades, les Nordiques, puis l'autre, tout un ensemble d'extraterrestres, l'un d'autre. Qui ont créé un ensemble de puissances créatrices et d'ordre selon leurs propres lois et leur territoire. Une des batailles cosmiques pour avoir le contrôle de la Terre et des autres planètes. Il y en a qui sont partis, qui reviennent typiquement. Il y en a d'autres qui vivent dans la Terre, il y en a d'autres dans le fond d'eau, d'autres des calottes polaires. Il y en a qui nous visitent sous sorte de forme. Il y en a qui sont parmi nous aussi, sur des formes humaines. Mais tout ça pour vous dire que tout le monde, que soyez, même si le roi des cieux arrivera à supporter les attaques de tout ce qu'il y a dans l'espace, les anges sont détruits par des destructions d'alliés, destructeurs, il y en a d'autres, qui sont isolés, mais quand même. Il y en a d'autres qui, à un moment donné, sont des coches, puis font des sacs. Il y a répréhensible, détruit des anges, détruit le royaume que Dieu a fait, ces planètes, ça. Ils attaquent et détruisent le monde là-dessus, que Dieu envoie là. Donc, le royaume des cieux, ça comporte des planètes visibles, invisibles, petites angéliques, parce que le corps est moins présent, plus en lumière. Sa résurrection qui occupe consiste au téléchargement. Pour faire un téléchargement, il doit laisser la matière ici, puis la transformer aussi dans une souffrance de mourir, qui est très difficile à vivre, parce que quand vous déconnectez de votre corps, vous souffrez une souffrance atroce, que personne n'a jamais dit. Puis, après, vous allez à ce jour de la mort sur une ectoplasme dans la terre. Vous attendez. Vous n'êtes pas capable de voir personne, sauf plus mettre une feuille de papier. Puis transparent. Les femmes d'un bord, les hommes de l'autre, puis en tout cas. Puis tout le monde attend le fond de résurrection. Qui peut être soit le retour de Christ ou un phénomène où tout peut être téléchargé. Que le Christ y attend sur une autre dimension. Tout le monde va être chargé sur une autre forme de terre, de planète. Plein de choses que les scriptures ne disent pas.
Parce que c'est un univers, c'est un peu ça aussi. C'est pas juste une planète, c'est un ensemble de territoires de Dieu. De forme d'élévation de la conscience pour ceux qui ont souffert, donné leur vie pour la loi de Dieu. Sauf qu'en fait, ça sort, c'est pas. Même étonné que lui parle, ça ne limite. C'est lui, c'est Christ qui est depuis le commencement puis la fin. Il y a un commencement puis une fin. Vous pensez que ça va toujours durer, là? Il y a un commencement et la fin. Ben lui, il dit c'est l'éternité parce qu'il peut jouer avec ça, l'étirer puis ça diminue. Donc, les gens, ça va des planètes de différentes sortes. Les alliés vont faire la même chose, on a le pouvoir, comme le Christ, de ressusciter, de dire la vérité, la plupart. Puis on a le pouvoir de neutraliser, de faire la guerre par l'esprit, en repoussant l'ennemi, en l'isolant. Puis le créateur, pas le créateur, mais le Christ, c'est un peu pareil, il isole. Donc, tout le monde, tous ceux qui sont dans le feu éternel vont sortir de là. Parce que c'est une désobéissance aux lois des dieux de détruire quelqu'un, même s'il est coupable, selon la loi divine, qui n'a pas refusé Dieu, pour qu'il a voulu détruire Dieu. Il a droit à la vie, puis il va être isolé, puis il va avoir des purifications très longues, jusqu'à ce qu'on comprenne de respecter la vie, mais dans une dimension d'amour. Moi, j'étais pas dans la perfection, je ne pas non plus encore, mais ma purification me purifie continuellement, même si je fais des actes pour paraître mauvaises pour les autres, ou que même je commettrais des actes qui déplairaient ou qui entraveraient la liberté de l'autre personne, ouais, du mal sans savoir, ça reste des actes qui demandent purification. Donc, la mienne est déjà en cours, il y en a d'autres que je ravive. Donc, moi, je m'envoie sur la croix, là, pour remplacer lui. Lui, il se dégage de ça. Mais c'est le seul Christ qui, lui, sort de sa divinité, pour prendre l'apparence selon la créature, parler de la tendresse sur une planète que désire pour faire plaisir à la créature. Les mêmes créatures mauvaises. Sa gloire, comme on le voit, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de barbe, qui est simple, qui est jeune, il est tendresse. Et puis, il se met à ton niveau, puis il parle comme